Allez, c'est parti, je me lance. Bienvenue à tout le monde sur ma chaîne YouTube. Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce que je n'ai pas de micro et je suis complètement débutant, en tout cas dans l'audiovisuel. Donc j'espère que ce sera agréable à regarder, que vous m'entendez bien surtout. Alors, comme vous venez de voir précédemment, j'ai ressorti de la cave de chez mes parents mon tout premier scooter que j'avais bâché. C'est un 50 cm3, plus précisément un 49. Donc à carbu, je sais pas si vous voyez bien, il y a un petit carbu ici de 12 ou de peut-être de 14 à vérifier. Donc il a un refroidissement par air. Allez, c'est parti, je vous ouvre la trappe. Qu'est-ce que c'est que ces vis? Voilà. Une vis à bois. On savait bricoler à 14 ans. Voilà. Donc là, on voit pas très bien. Mais monocylindre. D'origine, il n'avait pas ses jantes. C'était pas des jantes en 12 pouces, en étoile comme celle-ci. D'origine, il avait également un guidon naked qui est ici, complet, avec sa potence et ses poignées d'origine. Tout y est. Il n'y avait pas de mousse d'ailleurs. Également, sa selle brodée. Du coup, kit signifie bien avec le N que c'était un naked, avec le petit tour orange là, elle est toujours d'ailleurs, magnifique, bicolore. Donc moi, du haut de mes 14 ans, qu'est-ce que je lui ai fait? Déjà, j'ai enlevé, comme je te l'ai dit précédemment, le guidon d'origine. Je lui ai mis un guidon blanc cross avec une potence TNT, bon, on dit carbone, mais c'est du plastique quoi, c'est un autocollant, enfin c'est un film. Donc c'est effet carbone. Je lui avais mis deux poignées Conti. Je trouvais que ça faisait un petit rappel du orange. C'était plutôt sympa, même si c'est jaune, ça. C'était dans les tons de couleur, quoi. Après, au niveau du poste de pilotage, j'ai rajouté ce petit compteur. En fait, à la base, c'est un compteur vélo. Mais comme celui-là, il marchait plus, et que j'étais un gros flemmard, ouais, mais je lui ai collé ça. Avec un petit aimant, un câble et un petit aimant qui va là jusqu'à la jante là. Ici, sur le bocal de liquide de frein, j'avais mis une petite plaque TNT chromée. Jusque-là, tout d'origine, c'est l'optique d'origine. Sauf que du coup, les clignotants qui étaient censés être ici, sur le nouveau guidon, ils y sont plus. Donc j'avais mis deux clignotants style goutte d'eau. Avec un petit film carbone dessus, là, sur les côtés. Bien symétrique, avec un petit trou dans la coque. Voilà, ça faisait plus agressif, plus joli. L'avant, là, tu vois bien que là, il manque un truc. Mais en fait, j'avais enlevé la moustache. La petite fourche hydraulique, avec du coup, des jantes en 12. Donc celle-là, elle provenait d'un MBK Booster, mais Rocket. Parce qu'en fait, Booster, c'était la catégorie. Mais il y avait trois modèles. T'avais le Spirit, celui-là, le plus petit, le plus léger. T'avais le Rocket, qui a un aileron à l'arrière. Et t'avais également le Next. J'avais mis un Pau Conti, et ce modèle-là, c'est un CHR. C'est écrit ici. J'avais mis le petit autocollant, le rappel là. Hop. Et en fait, il y en avait deux. Il y avait le CHR et le CRX. Donc le CRX, tu vois, la patte là, elle n'était pas pleine, c'était deux tiges. Et la cartouche était un peu plus décalée sur le côté. Moi je trouvais que quand tu doublais les bagnoles et tout, c'était pas ouf. Moi je préférais qu'il soit plus plaqué comme ça. Donc c'est pour ça que j'avais opté pour le CHR. Petit phare arrière de type Lexus. Voilà, magnifique. D'ailleurs, ce n'est pas celui de base. C'est celui avec des petites rangées de LED. Donc le carter d'origine, avec sa courroie à l'intérieur. C'est ici
qu'elle se trouve. Reos Amorto TNT. Ça te faisait un cul un peu plus haut. On voyait un peu plus le carbu et tout. C'était un peu plus joli. Donc le voici. Ça te rehausse pas mal quand même de ça. Cet amortisseur là, ce mono amortisseur, il est pas d'origine du tout. J'aimais bien la petite bonbonne là. Piaoli, Paioli, je sais plus exactement comment on dit. La boîte à air, pas du tout d'origine. C'est une boîte à air avec un trou derrière, elle était dite préparée. Et avec une coque, une bonne mousse à l'intérieur. Et une bonne coque carbone, enfin effet carbone. Et la boîte d'origine, je ne l'ai pas retrouvée. Donc ça, je comprends pas trop. Normalement, j'ai tout. Mais vous inquiétez pas, elle doit être par là. Ici, il y avait une béquille centrale que j'ai enlevée. J'avais fait mettre, comme tout le monde, la petite béquille latérale. Là, tu enlevais un cache dessous, là. Et derrière, tu avais directement sur le châssis un petit rond. Tu vissais ça dessus et terminé. Et du coup, de retour sur l'avant, avec l'autre côté, le disque. D'ailleurs, les tout premiers boosters de 1990 n'avaient pas de frein à disque à l'avant, c'était des freins à tambour comme à l'arrière. Et même les jantes étaient différentes. C'était des jantes carrément en tôle avec des trous bizarres là. Ça doit être assez rare d'ailleurs. J'ai failli oublier, ici, il y avait une poignée pour se tenir. Une poignée grise qui part de là, qui faisait tout ça pour le passager. Clac. C'est pour ça que c'est une selle biplace avec ses petits cale-pieds ici là, pas glisser là avec les petits crans. Donc là je vous ai tout présenté, le guidon naked pour se tenir, la poignée arrière, la béquille, la moustache, les rétros d'origine. Ça je sais pas ce que c'est un cabouchon qui devait appartenir à un Lexus ou à mon premier Lexus, ouais, peut-être que je m'étais fait voler. Bavette amortisseur, le feu arrière. Ça c'est quoi? Ça c'est quand tu fais. Ça c'est autour du réservoir. En fait quand tu faisais déborder ton essence ou tu faisais un trop-plein, enfin peu importe. Par ce petit truc là, t'avais une espèce de. Une durite qui allait jusqu'en bas. Ça permettait de pas t'en mettre partout. Je l'avais enlevé mais je l'ai gardé. Ce petit boîtier, je sais plus exactement. Faudrait que je retrouve. Ça va me revenir. Et là comme je te disais, à l'avant, il y avait des clignotants que j'ai conservé avec les petits cabochons. Voilà, ici t'as tout là. J'ai gardé toutes les pièces. Ça, c'était à des poignées TNT. Ça fait des souvenirs, tout ça, c'est fou. Ça, c'était un petit Reos. Un petit Reos pour le rétro. Oh, t'as un kick de démarrage. Pas du tout d'origine. Et cette mousse là, elle passait. C'est un BK Freestyle. Mais ça, c'était sur les naked rouges d'après 2004. Donc on me l'avait filé, mais elle est pas du tout à moi. Pas du tout d'origine en tout cas. Ça, je sais pas ce que ça fout là. C'est un truc de skate. Un indépendante black. Du coup, je voulais commencer ma chaîne avec mon tout premier bolide à moteur. Je trouvais qu'il fallait commencer par le début. Ça raconte un peu une histoire, c'est vraiment mon adolescence, voilà. Il y a plus de 10 ans, j'avais le cul là-dessus toute la journée. Donc le but, ça va être quoi? Déjà, ça va pas être de le remettre d'origine. Malgré que j'ai eu la lucidité de garder toutes les pièces d'origine. C'est vrai qu'on était à 14 ans un peu con, hein, mais on était lucide au moins. J'avais tout gardé au cas où. Et ça c'est plutôt sympa et j'en suis bien content aujourd'hui. Donc déjà, si ça vous chauffe, on va faire un peu d'esthétique. Après, si vraiment il y a des demandes, on le remet d'origine autocollant, tout le délire, pourquoi pas, on peut se chauffer. Mais pour l'instant, je voudrais déjà qu'il roule et puis qu'on aille faire quelques wheelings, qu'on s'amuse un peu, quoi. Donc pour la deuxième vidéo, ce que j'aimerais faire, c'est déjà qu'il redémarre et le remettre, qu'il soit tout beau, enlever la rouille, qu'il soit tout beau, qu'il roule, qu'il soit joli à regarder. Après, on lui fait une mise en route. On va vérifier bougie, piston, segment, un nettoyage carbu, une batterie. On va voilà, voir ce que ça donne, voir si roule, s'il tourne bien. Vérifier évidemment l'huile, les liquides, dont celui-là, là, liquide de frein. On va un petit check-up complet.
Et puis ça part, hein. On va le rouler. Donc si ça vous chauffe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si ça vous plaît, si on fait la suite de ce scooter. Moi honnêtement, ça me motive. Même si ça me fait stresser à mort que parler comme ça, j'ai pas l'habitude, je sais pas ce que ça va donner. C'est stressant. Je sais pas comment font les mecs, je pensais que tu prenais ta GoPro, que tu te chauffes un peu, que tu parles, mais en fait c'est super compliqué. Essayez, pour ceux qui n'ont jamais fait, mais franchement, je suis à la centième prise, je sais pas, c'est très bizarre et on n'arrive pas à se détendre. Mais bon, je suis sûr qu'au fil des vidéos, je vais y arriver. Alors ce sera une chaîne principalement sur ma passion, les deux roues. C'est pour ça que j'ai commencé par ma plus petite cylindrée, quoi. Enfin, ma machine avec le plus petit cylindrée, c'est celle-ci en fait, c'est du 49 cm3. Je vais pas me spoiler, mais j'ai d'autres petits bolides. Alors j'ai pas une collection de fous, mais bon, j'adore les deux roues. Donc là, je l'ai bien bien bâché parce que je veux pas me spoiler. Mais là t'as mon gros cube. Et il y aura pas mal de vidéos dessus. Et à mon avis, ça va être un régal. Enfin, en tout cas, c'est un régal pour moi de vous faire partager ça. Faire des vidéos tout seul, c'est bien, mais les partager, je trouve ça encore mieux. Si je peux les montrer, ça serait le top. Bon, allez, je vais vous laisser. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, comme je l'ai dit précédemment. Vos avis, vos impressions, tout ce que vous voulez. Après, j'ai peut-être ouvert un Instagram. Je suis pas du tout de ce milieu-là. Mais pour vous faire patienter entre les vidéos, pourquoi pas lâcher quelques petites photos là où j'en suis ou des trucs comme ça, histoire de te tenir en haleine, quoi. Tu vois que je t'abandonne pas et que voilà, j'ai un petit plan de chaîne et que je vais le suivre. Alors, il n'y a pas que du deux roues, hein. C'est vraiment ma passion. Mais j'ai d'autres passions et puis entre-temps, on fera des petites vidéos sympas. Normalement, j'ai de quoi. Allez, ciao tout le monde. J'espère à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.